missing for me, if you're asking me, as far as understanding what you're doing, is basically understanding the use cases. Why would people use it? What would people do with the data at this point? And what problem are you solving if the data was available like it should be? La raison est simple, c'est que le pitch que tu m'as fait, c'est une brochure produit. Alors, c'est très bien fait, tu l'expliques parfaitement, ça donne envie de l'acheter, mais c'est une brochure produit. Quand tu lèves de l'argent, c'est pas ça que va entendre un investisseur. Moi, ce que je veux entendre, c'est quel est le marché que tu cibles, la taille, quelle est la concurrence, quelles sont les barrières à l'entrée, comment tu fabriques, quel est ton business model, quel est ton go-to-market, quelle est ton équipe, etc. etc. Non, mais au-delà des données financières, ce qu'il faut faire, c'est une vision. Et je pense que lever de l'argent, ce n'est pas forcément une fin en soi. On peut faire une entreprise qui a du sens et qui se développe sans lever de l'argent auprès de VC. Oui, c'est un bon feedback. Merci. Alors, puis alors, moi, je suis pile poil dans la cible. Hein. Ça manque un peu de chiffres. Quand vous disiez 1500 commandes, c'est quoi le business model? Moi, si tu veux, quand j'écoute un pitch, quel qu'il soit, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que fait l'entreprise et vers quoi elle va et qu'est-ce qu'elle peut devenir. C'est ça mon idée, ça que j'essaie de comprendre. Donc, pour que tu m'aides à comprendre ça, il ne faut pas juste comprendre le produit, il faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce que tu es en train de construire qui va faire que ce que tu fais aujourd'hui va devenir 100 000 fois à la porte de Versailles. Donc, je ne peux que te dire que j'aime bien ce que tu fais, que le produit m'a l'air super cool, mais je ne sais pas du tout si je vais investir. Parce que je n'ai pas les éléments de réponse. Est-ce qu'il y a un vrai bénéfice pour les clients? Et c'est là-dessus qu'on va bâtir quelque chose de pérenne. Il n'est pas normal, très clairement dans le monde dans lequel on est, qu'il n'y ait pas une parité totale, c'est-à-dire 50-50, entre les hommes et les femmes. C'est ça qui est dommage. Donc, il faut encourager les femmes à aller vers des projets plus ambitieux et à réunir des équipes autour d'elles et à faire... des choses qui ont de l'ambition. Ouais. All these notes, you're very articulate. Your pitch was good. I like what you're doing, and you are targeting a market that is very interesting. So keep on doing it. Thank you very much, both of you. The advice is very useful.